Made it. At last. She's waiting for me inside this house. I must hurry. You came for me. Will you end yourself with me? After all this time... Des événements étranges se déroulent au mont Hikami. Fatal Frame. Maiden of Black Water nous absorbe dans un monde où la mort est omniprésente. Des suicides, des disparitions et des rituels funestes caractérisent bien cette montagne mystérieuse. You're looking for someone? She might have gone to the mountain. Mount Hikami. Mount Hikami. Someone told me that they saw my friend there. It's an infamous suicide spot, isn't it? Mount Hikami. A place where many come to take their lives. I'm positive that Fuyuhi must have come here. Après avoir tenté de se suicider, Yuri Kazuka tente d'élucider le mystère qui se trame au mont Hikami. Cet endroit est reconnu pour ses nombreuses disparitions et sa relation intime avec la mort. Une légende raconte que lorsqu'une personne franchit la montagne, elle n'en ressort pas vivante. Au cours de l'aventure, les personnages principaux devront visiter et revisiter les endroits pour découvrir les secrets de la montagne. Afin de bien connaître toute l'histoire cachée de la montagne, Yuri, Lynn et Miou devront explorer différents endroits hantés. It's playtime. You're the groom. Now find your bride. À l'aide de différentes lettres et cassettes laissées par des personnages mystérieux, la sombre histoire sera révélée. Ils rencontreront différents esprits plus dangereux les uns que les autres. Équipés de leur appareil photo, ils pourront combattre les esprits corrompus et tenter de sauver la vie de certaines personnes. L'histoire se concentre principalement sur Yui. Elle a le don de ramener les personnes du monde sombre au monde réel. La fin de la malédiction dépend principalement d'elle. Les deux autres personnages sont secondaires. C'est un peu décevant car nous avons l'impression qu'ils sont utilisés pour prolonger la durée de vie du jeu. Même si nous pouvons voir le déroulement de l'histoire selon leur point de vue, ils apportent peu d'éléments nouveaux. Il faut aussi dire que le fait de visiter les mêmes endroits devient redondant et nous pousse à porter moins d'attention sur certains détails. À l'aide du GamePad, vous pouvez contrôler l'appareil photo. Cela ajoute un réalisme et nous avons l'impression de tenir un vrai appareil photo dans les mains. Après un moment d'apprentissage pour s'habituer, les mouvements deviennent intuitifs et le GamePad répond agréablement bien aux mouvements du joueur. Cela apporte une innovation intéressante à la série Fatal Frame. Cette utilisation est innovatrice et c'est dommage que d'autres compagnies ne fassent pas preuve d'autant d'ingéniosité pour bien utiliser le gamepad de la Wii U. La durée du jeu est d'environ 15 heures, avec la possibilité de débloquer différents costumes des personnages de Nintendo et un personnage bien connu de la série Dead or Alive. Vous pouvez retourner au Mont Hikami si vous voulez voir tout ce que le jeu a à offrir. Pour un défi plus grand, vous pouvez tenter votre chance au niveau Cauchemar. Helios Digital Gaming donne la note de 7.5. Ce jeu offre des moments de frayeur et l'ambiance morbide vient donner quelques frissons. C'est un jeu bien différent que ce que nous offre la majorité des jeux d'horreur. Aussi, il est plaisant de voir que le jeu offre du contenu mature et traite de thèmes sombres. Il est bien différent de l'image que les joueurs ont de Nintendo. Ce jeu est conseillé pour les adultes et déconseillé pour les cœurs sensibles. Malheureusement, le fait de revenir sur nos pas avec différents personnages enlève un peu l'effet de surprise. Les esprits nous font sursauter, mais leur manque de variété et le fait de retourner au même endroit réduit l'effet de peur à la longue. Les contrôles sont parfois frustrants car ils sont difficiles à maîtriser. L'angle de caméra suit difficilement l'action à l'occasion. Lorsque nous sommes attaqués par plusieurs esprits, il devient difficile de voir tout ce qui se passe à l'écran. Au final, ce jeu peut plaire aux fans de la série et aux amateurs de jeux d'horreur. Il faut aussi dire que la violence graphique de ce jeu est assez rare sur les consoles Nintendo. Ça vaut le détour juste pour ça. Est-ce que Yuri va mourir dans la montagne ou s'en sortira-t-elle à l'aide de son don de ramener à la vie? Cela dépend de vous. Merci de regarder Helios Digital Gaming. Pour d'autres critiques, consultez notre chaîne et n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi consulter notre page Facebook pour tous les détails concernant les critiques et d'autres nouvelles en matière de jeux vidéo.